besoin d'inspiration pour réaliser des recettes savoureuses et originales? Besoin de conseils de pro pour réaliser des mets époustouflants? Vous tombez à pic. Bienvenue dans Secret Chef, l'émission qui donne les crocs. Vous êtes sur CGTN Français, bonjour à tous et on commence sans plus tarder avec les titres. En Chine, la deuxième session annuelle de la 14e Assemblée populaire nationale a pris fin à Beijing. Les pays africains aspirent à de meilleures relations commerciales avec la Chine. Israël est en train de vérifier si les frappes aériennes menées dans la bande de Gaza avaient tué le chef adjoint de la branche militaire du Hamas. Le président de la communauté des Caraïbes annonce la démission du premier ministre haïtien Ariel Henry. Et on commence cette édition en Chine. La deuxième session annuelle de la 14e Assemblée populaire nationale a pris fin à Beijing après plus d'une semaine de discussions intenses. Ce lundi, les députés de l'APN ont adopté plusieurs résolutions qui concernent entre autres le rapport d'activité du gouvernement et le rapport de travail du comité permanent de l'APN. La révision de la loi organique du Conseil des affaires d'État a également été adoptée avant d'être ratifiée par un décret présidentiel de Xi Jinping. Cet événement annuel trace la direction de la deuxième économie mondiale pour le reste de l'année 2024. Après avoir adopté les résolutions, l'APN a établi un programme ambitieux pour la deuxième économie mondiale en 2024. Les principaux objectifs annoncés comprennent entre autres une croissance du PIB d'environ 5%, la création de plus de 12 millions de nouveaux emplois et la production de 650 millions de tonnes de céréales. Cette année marque le 75e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. C'est aussi une année importante pour réaliser les objectifs du 14e plan quinquennal de développement économique. Le président Xi Jinping et d'autres dirigeants chinois ont assisté à la séance de clôture au Grand Palais du Peuple. Zhao Leji, président du comité permanent de l'organe législatif suprême chinois, a prononcé un discours lors de la séance de clôture. Au cours de la session, nos députés ont porté la confiance et les responsabilités du parti et du peuple. Ils ont accompli leur devoir avec motivation. Ils ont délibéré et examiné des propositions de différentes natures. Le résultat de cette session a pleinement démontré l'alliance de la volonté du parti et de celle du peuple. Il a aussi mis en valeur les avantages de la démocratie populaire dans l'ensemble du processus, ainsi que du système politique fondamental chinois. Près de 3000 députés venus des quatre coins du pays ont présenté près de 300 projets de loi et plus de 7000 propositions. L'accent a été mis sur la promotion d'un développement de haute qualité en Chine, couvrant des domaines tels que l'approfondissement des réformes, l'amélioration des moyens de subsistance de la population, le renforcement de l'innovation et de l'autonomie dans les technologies de base, ainsi que la modernisation des industries traditionnelles. Nous devons mettre en pratique l'esprit de développement qui consiste à placer le peuple au centre, à appliquer la démocratie populaire dans l'ensemble du processus, à respecter les volontés, les expériences, les droits et les contributions du peuple. Nous devons également mobiliser toute la société dans l'entrepreneuriat et l'innovation pour que l'union et le travail acharné fassent la force. Alors que la deuxième session de la 14e Assemblée populaire nationale de Chine touche à sa fin, près de 300 projets de loi ont été déposés par les députés de l'organe législatif suprême du pays, avec un accent mis sur le renforcement d'un développement de haute qualité. La saison politique annuelle de la Chine a été marquée par une abondance de lois. Depuis le 8 mars, l'organe législatif suprême du pays a reçu 298 projets de loi déposés par des législateurs. La plupart d'entre eux, 292, sont des projets de nouvelles lois ou d'amendements qui visent à stimuler le développement de haute qualité de la Chine.
81 projets de loi visent à favoriser l'émergence de nouvelles forces productives de qualité et 177 concernent des projets législatifs déjà élaborés par le comité permanent de l'APN. Cette année, le nombre de projets de loi a légèrement augmenté par rapport à l'année dernière et leur qualité s'est encore améliorée. Les députés ont pratiqué la démocratie populaire sur l'ensemble du processus, en maintenant des liens étroits avec le peuple et en sollicitant ses opinions par le biais d'enquêtes sur le terrain et d'autres moyens. Plus de 70% des projets de loi ont été élaborés sur cette base. Plus de la moitié des projets de loi étaient accompagnés de projets de textes juridiques, ce qui a permis de jeter des bases solides pour que les députés puissent continuer à s'engager et à jouer un rôle dans le processus législatif. Les députés ont également formulé plus de 7000 suggestions. En tête de leur programme figuraient les appels à favoriser les industries émergentes et futures et améliorer la gouvernance numérique et à propulser l'économie numérique. L'optimisation de l'environnement des entreprises et la stimulation de l'efficacité des investissements ont également été considérées comme des priorités. Parmi les autres domaines clés, citons la revitalisation de l'industrie des semences, l'avancement de la révolution énergétique, l'amélioration des services de soins aux personnes âgées et la création d'une société favorable à l'accouchement. Les commissions spéciales concernées de l'APN feront un rapport au comité permanent afin d'examiner les résultats des projets de loi proposés par les députés. Et alors que les deux sessions de la Chine s'achèvent, des dirigeants africains les ont suivis de près. On a fait bien qu'indirectement, ce rassemblement annuel est susceptible d'avoir un impact sur le développement de l'Afrique à travers le commerce et l'investissement. Les deux sessions de la Chine n'ont pas d'impact direct sur l'Afrique. Mais les performances économiques de la Chine revêtent une grande importance pour le continent africain. La Chine s'est fixé un ambitieux objectif de croissance de 5% pour une deuxième année d'affilée afin d'ajuster son modèle de développement et de relever les défis économiques. Lorsque la Chine se porte très bien, c'est toute l'économie mondiale qui s'en trouve renforcée. C'est pourquoi je pense que le développement de l'Afrique dépend beaucoup de la santé de l'économie mondiale, et en particulier de celle de la Chine. Étant donné qu'au cours des 15 ou 18 dernières années, la Chine a été le premier partenaire commercial du continent africain. Les échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique devraient encore s'améliorer cette année. Dans le cadre d'une visite d'État du président Xi Jinping en Afrique du Sud pour le sommet des BRICS qui s'est tenu en août dernier à Johannesburg, la Chine s'est engagée à ouvrir des corridors commerciaux. Les avocats et le bœuf sud-africain ont déjà gagné l'accès au marché chinois. Nous allons voir beaucoup de mouvements en termes de commerce entre la Chine et l'Afrique, avec l'Afrique du Sud en particulier. Je pense que les chiffres du commerce montrent déjà une légère amélioration en faveur du continent africain. Il faut s'assurer qu'il y a en quelque sorte des produits finis qui soient compétitifs. Nous sommes en concurrence avec l'Asie, nous sommes en concurrence avec l'Amérique latine, le Brésil, qui est un grand producteur agricole, et nous devons nous assurer que nous renforçons nos capacités. L'Afrique du Sud, premier partenaire commercial de la Chine en Afrique, espère également une augmentation des investissements pour remédier à la morosité de son économie et au chômage. La plus grande opportunité pour la Chine est d'investir dans l'industrie manufacturière sud-africaine afin de permettre de libérer les opportunités du vaste marché africain. Il y a plus de 1,3 milliard d'Africains et le taux de croissance de l'Afrique devrait être le plus rapide au monde. Les entreprises qui investissent ici, qui fabriquent ici pour le marché sud-africain, mais aussi pour le marché africain plus large, seront en mesure de prospérer grâce à notre croissance. Et les deux sessions annuelles de la Chine ont également attiré l'attention de politiciens internationaux. Dans un entretien avec notre correspondant Daniel Khan, le sénateur pakistanais Mujahid Hussein Saïd affirme que le développement de la Chine est crucial car le pays contribue largement au progrès régional et mondial. Reportage. Quelles sont vos attentes en ce qui concerne les progrès et le développement futur de la Chine? Quel rôle le pays jouera-t-il dans le développement régional tout en collaborant avec les nouveaux dirigeants pakistanais? Le progrès et le développement de la Chine sont en fait un modèle pour les pays en développement, pour les pays asiatiques, pour les pays du Sud, et en particulier pour un pays comme le Pakistan, qui est un voisin de la Chine. En effet, la Chine est une réussite, elle est devenue indépendante après la plupart des pays d'Asie du Sud.
Nous voulons apprendre d'elle en matière de lutte contre la pauvreté, de bonne gouvernance et de développement centré sur l'être humain. Nous pensons que les initiatives mises en avant par la Chine, qu'il s'agisse de l'initiative La Ceinture et la Route, de l'initiative pour le développement mondial, de l'initiative pour la sécurité mondiale ou de l'initiative pour la civilisation mondiale, sont fondées sur la connectivité et le mutualisme, c'est-à-dire sur une coopération mutuellement bénéfique. Et compte tenu du nouveau leadership qui a émergé au Pakistan, ils se réjouissent d'être un partenaire proche de la Chine, d'apprendre de la Chine, de travailler avec la Chine et de progresser ensemble avec elle. Des objectifs visionnaires tels que l'initiative La Ceinture et la Route et le concept de communauté d'avenir partagée pour l'humanité continuent d'être cruciaux. Selon vous, comment la Chine contribuera-t-elle au développement économique mondial et quelles solutions offre-t-elle aux problèmes mondiaux ? Le monde d'aujourd'hui est témoin de turbulences et de transformations. Et comme l'a dit à juste titre le président Xi, nous assistons à des changements qui n'arrivent qu'une fois par siècle, où le centre de gravité mondial se déplace de l'ouest vers le sud. Pour ce qui est d'alimenter la mondialisation et la croissance économique mondiale, la Chine est un leader naturel. Non seulement sur ces questions, mais aussi sur celles du changement climatique, de la lutte contre la pauvreté et du rôle de pont entre des pays autrefois en conflit. L'année dernière, la Chine a réussi à rapprocher l'Iran et l'Arabie saoudite après plusieurs décennies de conflits et de rivalités. Nous pensons donc que le rôle global de la Chine sera extrêmement positif et déterminant dans un monde divisé où une partie, surtout en Occident, recherche une nouvelle guerre froide, ce que nous, les pays du Sud, rejetons. La Chine parle de construire des ponts, de faire tomber les barrières et de promouvoir le progrès tout en s'opposant au conflit par la coopération et la connectivité. On passe à Israël à présent, qui est en train de vérifier si les frappes aériennes menées dans la bande de Gaza avaient tué le chef adjoint de la branche militaire du Hamas, Marwan Issa. Si cela est confirmé, Marwan Issa serait le plus haut responsable tué dans ce conflit israélo-palestinien. Les opérations militaires israéliennes dans la bande de Gaza ont frappé de multiples cibles du Hamas lundi. À ce jour, plus de 31 000 Palestiniens ont été tués dans la bande de Gaza et la plupart des infrastructures locales ont été détruites. Le mois sacré du Ramadan commençant lundi, les Palestiniens de Gaza se sont mis à jeûner après des mois de famine. Et le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré que des mesures immédiates devaient être prises pour mettre fin au combat à Gaza et au Soudan, alors que le mois sacré du Ramadan débute pour les musulmans. Un reportage de Jody Jacobs depuis les Nations Unies. Les musulmans du monde entier ont commencé à observer le mois sacré du Ramadan et dans un discours aux journalistes ici aux Nations Unies lundi, Antonio Guterres a appelé à faire taire les armes en disant que le Ramadan était une période où les musulmans devraient célébrer et répandre les valeurs de paix, de réconciliation et de solidarité. Les yeux du monde nous regardent, les yeux de l'histoire nous observent, nous ne pouvons pas regarder ailleurs, nous devons agir pour éviter d'autres morts évitables. Nous avons été témoins, mois après mois, de massacres de civils et de destructions à un niveau sans précédent depuis toutes ces années où je suis secrétaire général. Monsieur Guterres a déclaré aux journalistes que le droit international humanitaire était en loc et que la menace d'un assaut israélien sur Rafah pourrait plonger la population de Gaza dans ce qu'il appelait un cercle d'enfer encore plus profond. Les Nations Unies ont prévenu qu'un quart de la population était au bord de la famine. Il a également déclaré que tous les otages encore enlevés lors des attaques terroristes menées par le Hamas en Israël le 7 octobre de l'année dernière devaient être libérés immédiatement. J'en appelle aux responsables politiques, religieux et communautaires du monde entier à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour faire de cette période sainte un moment d'empathie, d'action et de paix. N'oublions pas qu'après le Ramadan, les chrétiens célébreront bientôt Pâques et les juifs Pessah en avril. Il est temps de mettre fin à ces terribles souffrances. C'est maintenant qu'il faut le faire.
It's time to end the terrible suffering. Now it's the time to do it. Pendant ce temps, un navire transportant de l'aide humanitaire tellement nécessaire attend l'autorisation des autorités israéliennes avant de partir de Chypre. Transportant environ 200 tonnes de nourriture, le navire de l'ONG internationale Open Arms devrait contribuer aux efforts de secours pour des milliers de personnes dans le nord de Gaza qui a été coupé de l'aide humanitaire durant des semaines. Le couloir maritime vers Gaza a été annoncé la semaine passée dans le cadre d'un partenariat entre les Nations Unies, la Commission européenne, les Émirats arabes unis, les États-Unis et le Royaume-Uni. Au même moment, Antonio Guterres a également appelé à la cessation des hostilités au Soudan, dont les habitants vont également respecter le mois du Ramadan. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a qualifié la récente aide humanitaire des États-Unis à Gaza de performance ridicule. L'action symbolique de la soi-disant aide humanitaire à la bande de Gaza par les États-Unis est une action ridicule. Il s'agit d'une performance humoristique et amère aux yeux de l'opinion publique palestinienne et régionale. Cela indique que le gouvernement américain veut montrer son soutien à Israël et prouver son action légitime à Gaza, mais aussi essayer de changer son image agressive à l'échelle mondiale par des comportements absurdes et ridicules. Après avoir largué de l'aide par avion, le président américain Joe Biden a annoncé que son pays allait construire un quai dans la bande de Gaza et fournir de l'aide par voie maritime. Washington a été largement mis en cause par la communauté internationale pour avoir livré des armes à Israël tout en fournissant également une aide humanitaire à Gaza par le biais de largage aérien et de la construction d'un port. Abir Etefa, porte-parole principale du programme alimentaire mondial pour le Moyen-Orient, estime que les parachutages d'aide humanitaire à Gaza sont loin d'être suffisants. Cela ne peut pas concurrencer ou remplacer les convois de camions en termes de volume de nourriture qu'ils peuvent livrer. C'est plus onéreux que les convois routiers et la quantité de fournitures est extrêmement limitée. Très peu de personnes bénéficieront de ces largages. Et au moins 11 personnes ont été tuées par la coalition américano-britannique après des frappes aériennes menées contre des cibles houthis dans l'ouest du Yémen. Au moins 17 frappes aériennes ont été signalées lundi dans la ville portuaire de Hodeïda sur la mer Rouge et dans d'autres zones côtières de l'ouest. Ces frappes font suite au premier décès de civils et aux premières pertes de navires depuis novembre, date à partir de laquelle les Houthis ont commencé à attaquer la navigation commerciale pour protester contre l'offensive israélienne contre le Hamas. Les forces navales de la coalition frappent des cibles Houthis depuis janvier afin de dissuader les attaques contre les navires commerciaux transitant par la mer Rouge et le golfe d'Aden. Et l'Alliance démocratique de centre-droit du Portugal a revendiqué la victoire aux élections de dimanche, battant les socialistes sortant d'une courte marge. Toutefois, des inquiétudes subsistent quant à la manière dont le parti formera un gouvernement sans majorité absolue. Certains experts mettent en garde contre une instabilité potentielle. Plus de détails depuis Lisbonne. Le QG de l'Alliance démocratique de centre-droit a célébré sa victoire sur le parti socialiste sortant avec près de 30% des voix contre 28,7% environ. Bien que les chiffres définitifs ne soient pas encore connus, il s'agira très probablement du résultat final. Les discours de célébration ont cependant été tempérés. Os portugueses falaram e disseram. Les Portugais ont parlé, ils ont dit qu'ils voulaient un changement de gouvernement, ils ont dit qu'ils voulaient un changement de politique et les Portugais veulent que les grands partis soient capables de se réinventer et de montrer leur capacité à innover. Si l'Alliance démocratique a remporté le plus grand nombre de voix, elle n'a toutefois pas obtenu la majorité absolue en raison de la montée du parti d'extrême droite Chega, qui a obtenu un résultat historique en faisant plus que doubler son score des élections de 2022, avec environ 18% des voix. Le parti Chega, qui signifie « AC » en portugais, est considéré comme un faiseur de rois potentiel. Et son leader, André Ventura, a déclaré que l'ère du bipartisme au Portugal était terminée. De son côté, le nouveau chef du parti socialiste, Pedro Nuno Santos, qui a succédé à l'ancien Premier ministre António Costa, compromis dans un scandale, a reconnu sa défaite. Le Parti socialiste sera le parti de l'opposition. Nous serons le parti de l'opposition. Nous rénoverons le parti et nous essaierons de faire revenir ceux qui sont mécontents.
Le Portugal aura-t-il bientôt un gouvernement? Les combinaisons potentielles incluent le centre droit et l'extrême droite, qui pourraient unir leurs forces. Mais Luis Montenegro a promis de ne pas entrer dans un gouvernement avec Chega. Lors d'un débat télévisé, il a qualifié les idées et les politiques d'André Ventura de xénophobes, racistes, populistes et excessivement démagogiques. Mais Montenegro pourrait former un gouvernement avec le soutien passif de Chega. L'autre possibilité est que les socialistes permettent à l'Alliance démocratique de gouverner en minorité, évitant ainsi que le parti d'extrême droite soit au pouvoir. La formation d'un gouvernement pourrait prendre des semaines, voire des mois, et nécessitera des compromis très créatifs après une élection qui a laissé le Portugal avec plus de questions que de réponses. Et le Premier ministre haïtien Ariel Henry a présenté sa démission en tant que chef du gouvernement du pays, quittant un rôle non élu qu'il occupait depuis l'assassinat du dernier président en 2021. Sa démission intervient après que les dirigeants régionaux se sont réunis plus tôt lundi en Jamaïque pour discuter d'un cadre en vue d'une transition politique. La communauté des Caraïbes déclare qu'elle reconnaîtra la démission d'Ariel Henry après avoir établi un conseil présidentiel de transition et nommé un Premier ministre par intérim. Elle précise que le conseil présidentiel sera composé de 2 observateurs et de 7 membres votants. Dans le même temps, la violence s'est intensifiée dans la capitale de Haïti, de Port-au-Prince, alors que des gangs ont attaqué le palais national et incendié une partie du ministère de l'Intérieur. L'aéroport international demeure fermé après une attaque soutenue. Haïti a déclaré l'état d'urgence au début du mois alors que des affrontements ont endommagé les communications et provoqué 2 évasions de prison après que des groupes armés avaient juré de renverser Ariel Henry. Les gangs contrôlent désormais plus de 80% de la capitale. Au milieu de cette violence, le pays est confronté à sa plus grande crise humanitaire depuis le tremblement de terre de 2010. Le principal port, source clé de l'importation des aliments, a été fermé à la suite de sabotages et de vandalisme. Les écoles, les banques et la plupart des agences gouvernementales sont fermées. Les habitants sont confrontés à une pénurie de produits de base et de services médicaux. Et le bilan des inondations et des glissements de terrain dans la province indonésienne de Sumatra occidentale s'est alourdi à 26 morts. Les secouristes ont continué à fouiller la boue et les décombres lundi à la recherche de 11 personnes disparues. L'Agence nationale de gestion des catastrophes indique qu'au moins 39 000 personnes ont été affectées. Les autorités locales ont publié une alerte de réponse d'urgence pour 2 semaines. La province a commencé à connaître des inondations et des glissements de terrain jeudi dernier, après des jours de pluie torrentielle qui ont inondé les maisons et coupé l'électricité. L'Indonésie est sujette à des tempêtes en raison de sa position géographique dans le cercle de feu du Pacifique, la rendant vulnérable aux crues et aux glissements de terrain soudains. Et Hollywood a célébré sa prestigieuse nuit, la 96e cérémonie annuelle des Oscars, qui récompense les meilleurs talents et productions de l'année. Le film Oppenheimer en est ressorti le grand vainqueur avec un total de 7 Oscars, dont ceux du meilleur film, du meilleur réalisateur et de 2 des meilleures catégories d'acteurs. Le film Poor Things a également remporté 4 Oscars, tandis que d'autres films comme Barbie et Killers of the Flower Moon n'ont pas répondu aux attentes. Le mot sur toutes les lèvres lors de la plus grande soirée d'Hollywood était Oppenheimer, car le drame historique de Christopher Nolan a remporté cet Oscar. Je pense que tous ceux d'entre nous qui font des films savent qu'ils rêvent de ce moment. Vous savez, c'est vrai, je pourrais le nier, mais je rêve de ce moment depuis si longtemps. Mais cela semblait si peu probable que cela se produise un jour. Oppenheimer a remporté la catégorie du meilleur film, et Christopher Nolan a remporté celle du meilleur réalisateur. Robert Downey Jr. a de son côté remporté le prix du meilleur second rôle masculin pour son rôle dans ce film. Et l'Oscar du meilleur acteur principal a été décerné à Cillian Murphy pour son interprétation de Robert Oppenheimer. Nous avons fait un film sur l'homme qui a créé la bombe atomique. Et pour le meilleur ou pour le pire, nous vivons dans le monde d'Oppenheimer. Alors j'aimerais vraiment dédier ce film aux artisans de la paix partout dans le monde. Le film Poor Things a été le 2e film à avoir eu le plus grand nombre de nominations de la soirée. Le long métrage a remporté 4 Oscars pour les meilleurs maquillages et coiffures, la conception de la production, la conception des costumes. Enfin, il a permis à Emma Stone de remporter son 2e Oscar de meilleure actrice dans un rôle principal.
Je suis profondément honorée de partager ce prix avec tous les acteurs, tous les membres de l'équipe, toutes les personnes qui ont mis leur amour, leur attention et leur intelligence dans la réalisation de ce film. La course a été serrée avec Lily Gladstone, qui est entrée dans l'histoire en devenant la première femme amérindienne à être nommée dans la catégorie actrice principale pour son rôle dans Killers of the Flower Moon. Le film avait reçu un total de 10 nominations, mais n'a été primé dans aucune catégorie. Une ironie similaire a joué pour le film Barbie, qui est devenu le plus grand succès de l'année dernière, remportant plus de 1,4 milliard de dollars au box-office. Mais sur ses 8 nominations, il n'a remporté que le prix de la meilleure chanson originale, avec la ballade « What was I made for ?». La chanson, créée par Billie Eilish et Phineas O'Connell, a été interprétée en direct. Billie Eilish est devenue la plus jeune personne à recevoir 2 Oscars. La cérémonie de cette année a accueilli de nouveaux visages, avec au moins 10 acteurs qui ont été nominés pour la première fois dans les principales catégories, y compris un certain nombre d'artistes étrangers. L'intérêt de l'Académie pour les films étrangers s'est également accru ces dernières années. Et pour la première fois de son histoire, 3 films non anglophones ont concouru pour le prix du meilleur film, lors d'une cérémonie qui vise à attirer un public plus large. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous retrouve tout à l'heure pour le prochain journal.
Avez-vous imaginé comment serait la vie dans le futur? Chaque individu tracerait sa voie à travers un large panel de possibilités. Et les métiers se rejoindraient vers un destin commun. Les nouvelles technologies créent de nouvelles professions prêtes à tout remettre en cause. L'essor de l'intelligence numérique influence le présent et façonne l'avenir. L'année 2021 est désignée